la dynastie des Andafiavaratch, originaire d'Ilafy, descendant d'Anjiatslav Nanjin et de Ragnar, ont construit le palais, symbole de leur puissance. Plusieurs personnages illustres ont occupé ce lieu. Ragnar, le premier ministre de la reine Ranaval la première. Son fils, Reyn Ivunnaichinunraar, fut à son tour premier ministre de Radama II. Après sa disgrâce, fut remplacé par son frère Reyn Leyarvun, qui épousa les trois dernières reines, Raswirn, Ranaval la II, Ranaval la III. En 1872, suite à l'édit royal de 1869 par Ranaval la II sur la conversion au christianisme et à l'autorisation de construction en pierre, le premier ministre ordonna à William Poon de construire le palais tel qu'on peut le voir dans sa forme actuelle. En 1896, à la chute de Reyn Leyarvun, le palais fut mis sous tutelle de l'administration coloniale française. À l'accession de l'indépendance, Philbert Tsiranen, premier président de la République malgache et chef du gouvernement, y a établi son bureau. En 1976, le palais fut complètement détruit par un incendie, puis reconstruit. Actuellement, le palais du Premier ministre est un musée. On y a transféré les derniers vestiges d'Anna Trouv après son incendie en novembre 1995. Malheureusement, ce palais fait actuellement l'objet d'une polémique. Après le vol de la couronne de la reine Ranaval la première, le gouvernement a pris des dispositifs pour renforcer la sécurité du palais.